Chen Gaihong est charpentier. Mais de nos jours, la charpenterie est devenue un hobby de luxe pour lui. Trente ans plus tôt, Chen Gaihong a démissionné d'une société appartenant à l'État. Il a commencé à gérer sa propre affaire. En tant que patron, il est très occupé. Ses opportunités de faire de la charpenterie sont très rares. Parfois, Chen Gaihong souhaite retoucher ses outils, mais il n'a pas le temps. Récemment, Chen Gaihong a trouvé une bonne raison. Il veut redevenir charpentier pour une durée de temps déterminée. La sculpture en bois dans la main de Chen Gaihong est l'une des pièces d'une œuvre qu'il veut fabriquer. Au cours des trois dernières années, il a achevé 200 pièces. Grande ou petite, durant son temps libre. Il lui en reste des dizaines à concevoir pour finaliser l'œuvre qu'il veut créer. Cette œuvre est un palanquin. La charpenterie de cette œuvre est localement appelée la sculpture en bois laqué de rouge et d'or. C'est un art manuel folklorique de la région de Ningbo. La décoration de la surface laquée et la sculpture sont les deux aspects les plus importants. La sculpture se fait sur le bois. La décoration sur la laque comprend le collage des paillettes d'or, la coloration des fleurs, etc. L'art manuel de la sculpture en bois laqué de rouge et d'or met en avant à la fois la sculpture et la laque. Les artisans de l'Antiquité étaient des experts dans ces domaines. Chen Gaihong est l'un d'entre eux. Le rouge et l'or sont les couleurs principales des meubles de sculpture en bois laqué de style ancien. Cela ne correspond pas au goût esthétique des gens modernes. Dans les années 90, cet art a commencé à tomber en désuétude. Les meubles se vendaient mal. Plus personne ne voulait apprendre cet art. La première étape pour la fabrication de la sculpture en bois laqué de rouge et d'or est de dessiner un modèle. Avec leurs deux mains, les artisans peuvent fabriquer petit à petit toutes les pièces. C'est leurs outils pour gagner leur pain. Quand Chen Gaihong était apprenti, il a commencé à apprendre l'art de la charpenterie traditionnelle. Dans le passé, pour creuser une planche, tout se faisait à la main. La technique était compliquée.
et avait un faible rendement. Chen Gairon utilise une scie à chantourner traditionnelle pour ressentir les outils du passé. De nos jours, les outils pour faire des creux sont tous mécanisés. Monsieur Xiao est un employé de la société de charpenterie. Sa spécialité à l'université était la sculpture. Ici, il ne se charge que de l'étape de sculpture. Il n'a aucune chance d'apprendre les procédures de peinture, de collage d'or. Monsieur Xiao est un jeune qui aime apprendre. Ce coup-ci, Chen Gairon lui a demandé de donner un coup de main exprès. L'étape de sculpture préliminaire est faite pour sculpter la forme primaire de la pièce. La planche que Monsieur Xiao est en train de sculpter est une planche à relief. Il faut seulement enlever les parties en dehors de la configuration du dessin. La pièce que Chen Gairon est en train de sculpter est une pièce de la partie inférieure du palanquin. C'est une sculpture à trois dimensions. L'esquisse collée sur la face de ce morceau de bois est seulement une référence. La sculpture à trois dimensions est une sculpture complètement stéréoscopique. Différente de la sculpture en relief, cette sculpture exige une conscience de la situation globale. Chaque frappe sur le burin doit prendre en considération la disposition dans l'ensemble. Lors de la sculpture des détails, il faut utiliser les burins à tranchant plus petit. Les outils de frappe en bois léger peuvent aider à mieux maîtriser la force. Après la sculpture des détails, il faut exercer une sculpture ultra précise sur la surface de la pièce. L'utilisation de la lame peut rendre la surface de la sculpture plus lisse. Après une longue utilisation, les tranchants des burins et des lames peuvent être émoussés. Il faut aiguiser les outils. L'artisan peut prendre des pierres à aiguiser différentes selon les formes du tranchant. La pierre à aiguiser, longue et ronde, est utilisée pour aiguiser la lame intérieure des gouges. La pierre longue et avec des arêtes est utilisée pour aiguiser la lame intérieure des burins à tranchant de forme triangulaire. La rainure sur cette pierre à aiguiser s'appelle rainure yinyang. Elle sert à aiguiser la lame extérieure des gouges. Sa forme est unique. Cette fois, Chen Gairon se hâte à fabriquer un palanquin. Parce que l'ancien exposé au pavillon de l'art de la sculpture en bois laqué de rouge et d'or se trouve désormais au musée des sculptures en bois de Chine. Li
exigeant 1000 heures de travail, palanquin de 10 000 heures de travail, dot s'étendant sur 5 km. Voici un dicton de mariage que tout le monde connaît dans la région de Ningbo. La noce est plus digne avec un lit et un palanquin travaillé longuement. Voici un lit de 1000 heures de travail collectionné au pavillon de l'art. Le lit se divise en deux parties. La première partie du lit s'appelle Tachuan, sur laquelle on y mettait des objets du quotidien. Comme il faut au moins 1000 heures de travail pour la fabrication d'un lit comme ça, ce lit mérite son appellation. On parle aussi de palanquin de 10 000 heures de travail pour la fiancée. On peut voir dans son nom que sa fabrication est plus difficile que celle du lit. Chen Gairon a fabriqué un palanquin pour le pavillon de l'art. Mais récemment, cette œuvre a été transférée au musée des sculptures en bois de Chine. Chen Gairon doit se presser de fabriquer un nouveau palanquin. Sinon, le pavillon de l'art de la sculpture en bois laqué de rouge et d'or ne pourra exposer l'objet le plus splendide. Avec les étapes de peinture et de collage d'or, Chen Gairon met plus de 2 mois pour achever ce travail. Le polissage est la dernière étape de la sculpture. C'est un polissage plus approfondi que le polissage préliminaire. Cela peut rendre la surface de la planche creusée plus lisse et fine. Il y a des astuces pour utiliser les papiers de verre. Un mois plus tard, les 365 pièces du palanquin de 10 000 heures sont prêtes. Toutes ces pièces ont été fabriquées à la main. Plus de 3 ans se sont écoulés depuis la fabrication de la première pièce. Maintenant, voici l'étape du laquage. On dit souvent que le succès de la fabrication dépend à 30% de la sculpture et à 70% du laquage. Avant le laquage, il faut assembler en premier toutes les pièces pour vérifier la structure de l'ensemble du palanquin. Après les ajustements, il faut démonter toutes les pièces pour le laquage. Il est impossible de laquer les pièces sculptées et polies directement de rouge. Il faut tout d'abord laquer préliminairement les pièces. Le mastic de laque brute est obtenu à travers le mélange de pâte de farine dans la laque brute. Ce mastic peut remplir les petits trous, les raies et les fissures à la surface des sculptures en bois. L'objectif de cette procédure est de rendre la surface de la pièce en bois plus fine. Après cette procédure, on a une surface lisse et claire. Monsieur Xiao a toujours travaillé dans un atelier de sculpture. C'est la première fois qu'il aborde directement la procédure du laquage. Il y a
Le laquage préliminaire doit être mince et uniforme. Pour la partie plate, le brossage est la méthode correcte. Pour les petites fissures des visages de personnages, il faut choisir la méthode de piquage. Enfin, il faut brosser la surface en suivant la texture du bois. Le laquage préliminaire est non seulement la base du laquage rouge, mais aussi l'amélioration du lissage de la surface des pièces sculptées en bois. Après le laquage préliminaire, il faut poser les pièces à côté pour le séchage. La laque brute est spéciale. Aux lumières directes du soleil, elle sèche lentement. Au contraire, un environnement humide et sombre peut accélérer le séchage. Donc, les pièces en bois laqué doivent être mises dans un espace sombre, frais et clos. Après le séchage complet de la pièce en bois, il faut faire le polissage. Les méthodes de polissage sont identiques à celles de la pièce sculptée. Mais il faut utiliser du papier de verre usé, dont la surface est plus fine que celle du papier de verre neuf. Le polissage de ce papier peut éviter les traces laissées sur la pièce. Après le polissage, il faut laquer et polir la pièce d'eau. Il faut répéter cette procédure 3 à 4 fois, jusqu'à ce que la surface de la pièce soit extrêmement fine et sans fissure. À ce moment-là, on peut laquer la pièce en rouge. Les ingrédients de la laque rouge sont le cinabre, l'huile de tang et la laque brute. Il faut mettre du cinabre dans l'huile de tang en premier, mélanger les deux, puis utiliser un bâton avec une partie grande et ronde pour mélanger la mixture avec force. L'objectif est de mélanger davantage le cinabre. Dans l'Antiquité, le cinabre s'appelait le rouge. C'est une poudre minérale naturelle. Son composant principal est le sulfure de mercure 2. On disait qu'un gramme de cinabre équivalait à un gramme d'or. Le prix du cinabre est élevé. Lors du mélange, il faut récupérer la laque rouge sur le bâton pour éviter le gaspillage. Après le mélange de la mixture de l'huile de tang et du cinabre, il faut y ajouter de la laque brute. La proportion entre la mixture et la laque brute doit être de 1 pour 1. Les artisans expérimentés font de petits ajustements de cette proportion selon le climat, chaud ou froid, sec ou humide. Après l'ajout de la laque brute, il faut mélanger davantage. Quand l'huile de tang, le cinabre et la laque brute sont parfaitement mélangés, le mélange de la laque rouge est achevé. Le laquage de la laque rouge est presque identique à celui de la laque préliminaire. Il faut brosser la partie plate dans un seul sens pour la rendre uniforme. La laque rouge s'oxyde vite et noircit. Elle connaîtra d'autres changements, car dans quelques mois, elle redeviendra rouge. Ce processus s'appelle kaitsi. C'est un peu comme l'éclosion des fleurs. Au crépuscule, les employés sont repartis. Chen Gairon a choisi ce moment pour la procédure suivante, le collage d'or. Cette procédure doit se faire lors du semi-séchage de la laque rouge. Avec l'appui de la viscosité de la laque semi-séchée, la paillette d'or peut se coller fermement. Vu le beau temps, Chen Gairon a ajusté la proportion entre l'huile de tang et la laque brute. Selon ses prévisions, la laque rouge sera au niveau approprié demain matin après le début du travail.
Après le coucher du soleil, il pleut brusquement. Chen Gairong n'avait pas prévu un tel changement climatique. La pluie signifie que le moment opportun n'est plus ce qu'il avait calculé. La laque sèche plus rapidement par temps humide. Il faudra donc coller l'or avant l'aube. Sinon, le moment sera passé. Toucher la surface de la laque du dos de la main pour sentir le niveau du séchage. Il est strictement interdit de toucher la surface avec ses doigts. Sinon, la graisse sur les doigts va nuire à la viscosité de la laque et conduire à l'échec du collage d'or. La paillette d'or est mince et légère. Le collage d'or doit se faire tout doucement. Il faut respirer lentement. Une respiration lourde plierait la paillette d'or et impacterait l'opération. Il faut presser doucement la surface de la paillette d'or du pinceau pour que la surface de la paillette d'or soit collée fermement à la surface de la laque. Après cette étape, des fissures sur les paillettes d'or apparaissent souvent. Il faut les réparer. La poudre de riz peut éviter le collage de la paillette d'or sur les ciseaux. Il faut couper la paillette d'or pour réparer la partie exposée jusqu'à ce que la surface de la pièce sculptée soit couverte complètement de paillettes. Lorsqu'on balaie le pinceau sur la paillette d'or, pour la coller à la surface de la pièce sculptée en bois, on parle de saodin, balayage sur l'or. Après le balayage sur l'or, la procédure du collage d'or est achevée. À ce moment-là, il fait toujours nuit. Chen Gairong va répartir les travaux pour que plus de jeunes puissent essayer et participer au travail. La société de charpenterie de Chen Gairong fabrique principalement des œuvres en bois pour les usines ou les entreprises. Ces fabrications se font sur la ligne d'assemblage. Bien que la capacité de production augmente tous les ans, la technologie de la sculpture en bois laqué de rouge et d'or n'a pas l'opportunité de se développer.生活习惯就在变了，房子这个在我们住的房子也在变，那么生活习惯也在变，人的这个审美也在变，都在变。年纪轻的话，你这个我们老的租金起码在这种东西，现在年纪轻，你不要说叫他买，送给他孩子不高兴了。人家的这个审美呢，生来就是他就是变化以后，他喜欢就一种啊，所谓现在要所谓要素一点。 La peau des personnages doit être représentée par la couleur d'argent. La pose de la pâte argentée a pour objectif d'atteindre cet effet.
On utilise un pinceau fin pour peindre le visage des personnages. C'est une procédure assez soigneuse qui exige une bonne capacité de l'artisan. Cette procédure s'appelle la couverture de la laque. Il faut brosser du lait de soja sur la surface de la sculpture en bois. Après le séchage, il faut appliquer une couche de laque préliminaire. Après le séchage de la laque préliminaire, les couleurs noires et rouges deviennent transparentes. Cette couche est une couche de protection sur la surface. Les sculptures en bois laqué de rouge et d'or, après cette étape, peuvent conserver leur couleur pendant des centaines d'années. Sous la direction de Chen Gairong, après 3 ans et 3 mois, les 365 pièces du palanquin de 10 000 heures sont achevées. Chen Gairong travaille dans le métier depuis une quarantaine d'années. Il a une affection spéciale pour cet art manuel. Mais maintenant, il doit regarder la descendance de cet art qui se trouve proche de l'extinction. Le palanquin de 10 000 heures rassemble les techniques les plus complexes de la sculpture en bois laqué de rouge et d'or. Elle réunit toutes les meilleures techniques de sculpture et de laquage. C'est la représentation ultime de cet art manuel.